Et ce nom Horus est très sacré et très fatal, et bien sûr très fatal dans le sens, bien sûr, contre les reptiliens, mais dans le nom Horus, parce que c'est Patricia Isis, c'est Patricia qui a créé le nom Horus. Dans Horus, on comprend qu'il définit divinité, de tout ce qui est de la lumière de Dieu, de tout ce qui est divin. On comprend les dieux, les prophètes, les anges, les 144 000 élus, les 12 tribus. Horus, ce nom est très très important. Et dans Horus, on comprend qu'il définit la royauté de Dieu. Donc, mais là, souvenez-vous que j'ai expliqué que Marduk, qui est Jésus avec la lettre S, il sait des vérités sur Dieu Isis. Il sait des vérités sur le royaume Horus, le monde Horus de Dieu. Donc, on constate, il sait sur les nombres de Dieu. Regardez, on voit 77 et 58. Ayez très très crainte de ce nombre 58. Pourquoi? Parce que quand nous sommes allés au loto, moi et Sabrina, à la salle au loto, contre les 9 druides. Les 9 druides qui fait le lien avec leur salope, la pute Jésus avec la lettre S, qui est Marduk. On a beaucoup entendu, moi et Sabrina, on a beaucoup entendu au loto 58, 58, 58. Donc, et très crainte les religieux du Christ, du nombre 58. Le 58 d'or est très redoutable. Donc, ça veut tout dire. Ayez très crainte. Et vous allez comprendre, vous de la lumière, que ce nombre 58 est très redoutable, parce que j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu à la table 9, sur la table 9, que quand on écrit des mots pour avoir des connaissances, donc des vérités de Dieu, on voit très bien ce nombre 58. J'ai déjà vu 14, 58, 23, 58, 18, 58. On voit beaucoup ce 58, ce nombre 58 avec d'autres nombres. Mais ayez très crainte, les religieux du Christ. Parce qu'en écrivant des mots, on constate qu'on voit 23, 58 à la table 9, à la gématrie. Mais Patricia vous a montré sur le nombre 58. Je vous ai montré sur le nombre 58. Souvenez-vous de ça. Le nombre 23, je veux dire, je vous ai montré sur le nombre 23. Et bien sûr, j'ai montré sur le 58, donc les nombres qui se sont révélés au loto. Souvenez-vous de ça. Mais là, je parle du nombre 23. Et que j'ai montré la preuve absolue que le nombre 23 est au phénix, au zodiaque de Dieu. Et que le nombre 23 est très fatal sur la fin du monde, avec Patricien. Mais là, on constate que on voit 23-58 à la table 9. À la gématrie 14, 58 et 58 avec d'autres nombres. Donc à la table 9, à la gématrie. Tout ça n'est pas pour rien. Mais il faut comprendre pourquoi ayez crainte les religieux du Christ du nombre 58. Parce que dans 58, on comprend, on entend, et on comprend surtout qu'avec le nombre 5 de Dieu, ça définit de ce que j'ai montré. Le 5 a plusieurs définitions, mais j'ai montré sur le générique. Donc, on voit la Coupe du Monde 2018 et on voit le dragon rouge. Et souvenez-vous que j'ai montré sur les 5 sphères de Dieu Isis. Donc, à l'univers Gaïa du monde Horus, les 5 sphères. Donc, on voit le ballon qui vole et on voit 5 sphères au sol. Donc à la vidéo, et que j'ai montré sur ça, que ça définit les 5 sphères du monde Horus, et qui sont fatales. Et bien sûr, après, souvenez-vous que j'avais montré qu'on voit l'oiseau au générique de la Coupe du Monde 2018, eux, donc ils mettent une couleur rouge, c'est eux qui mettent comme ça. Mais j'ai montré sur ça que ça définit qu'ils cachent que c'est l'aigle, l'aigle d'Horus. C'est l'aigle d'Horus qu'on voit. C'est ça que ça définit à la vidéo où on voit le dragon rouge. Mais là, il faut comprendre que le nombre 8 est très important puisque dans 8, on comprend l'oméga et l'éternité. Donc, et très crainte. Le 58 d'or, d'Horus, est très fatal.
d'Horus qui parle, qui définit le royaume Horus. Et qui donne 2007. Le 4 avril 2020, le 58 d'or d'Horus est très fatal et qui donne 2007. Donc là, on voit très bien 58. Là, là. En plus, on voit très bien le 77 avant 58. On voit 42 qui définit, que j'ai montré sur Stellarium, que Isis est lié avec le 42. On le constate. Tout ça vous trahit. Tout ça vous trahit. Donc là, ça veut dire qu'on voit, 43, le 5, 23, 42, 77, 58. Voilà, 5. Voilà. Et j'ai montré sur ce nombre 43. Souvenez-vous qu'on avait vu, qu'on s'est aperçu qu'au loto, on avait vu 43 et 42. Souvenez-vous de ça. Et après, on avait vu 42, 43. Donc, tout ça n'est pas pour rien.